Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ouais, effectivement, j'ai des lunettes de soleil là parce que en fait, j'ai cassé mes autres paires. Donc, le temps que j'échange, j'aurai ces lunettes de soleil en attendant. Voilà. Et ben, c'est pour éviter de m'abîmer les yeux parce que je pourrais très bien jouer sans lunettes, mais je m'abîmerais les yeux. Donc, on va éviter quand même. Donc, on s'était arrêté après avoir récupéré la première Triforce. Comme je sais pas si on peut le voir dans l'inventaire. Ah si, on le voit dans l'inventaire. Et si on regarde sur la carte, on se souvient qu'on avait positionné les Triforce de façon à voir la première ici et la deuxième directement vers le bas. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. On va directement se diriger vers la deuxième Triforce et on fera, enfin, on récupérera dans la foulée la dernière Triforce en fait. Maître, fais le rapport. Je détecte la présence d'une force sacrée dans cette salle. Il s'agit de la deuxième Triforce. La probabilité que vous trouviez la force sacrée au bout de ce parcours est de, enfin, de ce parcours de lave est de 60%. Je vous recommande d'avancer avec détermination. Ah oui. Alors là, on se retrouve. On reconnaît en fait l'ambiance de l'avant-dernier temple. Le temple... Comment il s'appelait déjà? C'est pas le temple de la Terre, c'est... Ah oui, c'est pas la grande caverne antique, c'est... Ah si, je crois que c'est la grande caverne antique. Parce que... le quatrième donjon et l'avant-dernier, ils ont presque le même nom tous les deux, donc on se plante un peu souvent. Alors en haut ici ce serait pour le raccourci, je vais peut-être pas le montrer finalement. Je vais peut-être éviter de le montrer. On aura deux raccourcis en tout. Un raccourci en haut. Et un raccourci en bas. Mais en attendant, nous, on va se faire tout le tour. Parce qu'on n'a pas le choix. Et j'avoue que ça va être un petit peu long là. Donc première chose qu'on va faire peut-être c'est regarder un peu ce qui nous attend. Avec le scarabée. Alors, on a un cristal à casser. Si on fait le tour, hein, on voit un deuxième cristal. Ok. Donc, en fait, ce qu'on va faire en priorité, c'est peut-être... Parce qu'on voit qu'on n'a pas de plateforme, là, entre les deux. On n'a pas de plateforme... On n'a pas de plateforme entre les deux. Donc, ce qu'on va faire en priorité, c'est... Donner un coup sur ce cristal qui va enlever cette chute de lave. Et de là, effectivement, on va pouvoir y aller parce qu'il y a un petit courant avec cette chute de lave. Et on verra un petit peu plus tard que j'ai bien fait de faire ce que je viens de faire là. De l'enlever tout de suite. Alors d'emblée, on va avoir des chauves-souris. On va peut-être se les faire tranquille. Pour pas te déranger. Il en reste encore deux. Non, trois peut-être. Ou deux. Allez, viens ici. Approche. Voilà, c'était la dernière. Donc, on va s'équiper du grappin. Et attendre plus ou moins le dernier moment pour balancer la deuxième plateforme. La deuxième plateforme, il faudra sauter dessus carrément. Voilà. C'est là que j'ai bien fait en fait d'enlever la... Ah, j'ai loupé un truc. Ah mais oui, je suis bête. Il y a l'autre aussi. Il y a l'autre. J'avais oublié. C'est vrai. Je l'avais montré en plus. Voilà. Celui-là. Voilà. Mais là, du coup, faut se refaire le truc. Donc, c'est vrai que c'est... C'est un passage qui peut être un peu long.
Un peu. Mais là, du coup, faut attendre à nouveau. Donc. Mais là, au moins, il n'y a plus les chauves-souris. Bon, c'est bien. On va tout de suite préparer le grappin. Et on n'a plus qu'à attendre. Là, ça va faire une espèce de S, en fait, le truc. Le parcours, ça va être un espèce de S. On va voir. Alors, vaut mieux pas l'activer tout de suite, hein. Parce que si je fais tomber tout de suite, il va partir et je pourrais pas aller dessus. Voilà. Et là, ouais, ça avance. Y a pas de problème. Et c'est là que j'ai bien fait d'enlever l'autre. Parce que on aurait avancé, y a pas de problème, mais au bout d'un moment, je me serais fait cramer le derrière, on va dire. À moins qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Parce qu'il y aurait un espèce de contre-courant. Bref. Ah, c'est un passage un peu loin. On le subit, le truc, là. On le subit. C'est vrai. On a tendance à le subir. Mais là, bon, ça sert à rien de prendre les cœurs. On pourrait les prendre, mais bon. Inutile, on va dire. À la première raccourci. Donc déjà, si jamais on retournait en arrière, pour X raisons, peut-être pour sauvegarder par exemple, eh ben on n'aurait pas à se faire le premier passage, donc c'est déjà ça. Ensuite, donc là, pareil, faut pas hésiter en fait à regarder ce qui nous attend. Ah là ici, ah oui, demi-tour. Comme d'habitude, il va falloir amener le courant. Mais là le détail, c'est que ouais, derrière c'est enlevé, et qu'on va le regarder à nouveau, je peux regarder d'ici d'ailleurs, c'est qu'on a plus de courant là. Donc faudra amener le courant après pour passer par là ici. Donc ça on le fera un peu plus tard. Pour l'instant, on va juste faire la deuxième partie du chemin. Et là, par contre, ces chauves-souris, bon... Ça va pas être un problème. En soi, mais là, il y a des chauves-souris avec la substance maléfique. Voilà. Alors, si on s'était fait toucher, on n'aurait pas pu utiliser l'épée. Et peut-être les autres items aussi. Je sais plus trop. Ouh, j'ai cru que j'allais tomber en fait là. Donc là, on va juste attendre, comme d'habitude. En fait, là, ici, ça va. On a plus ou moins le temps parce que le but... Ça va être de se mettre sur la plateforme, et une fois qu'on sera sur la plateforme, on aura tout le temps de réfléchir. Et là, c'est vrai que ça peut peut-être faire un petit peu peur, parce qu'on se dit, ouais, ok, mais le time, comment ça va être? Faut pas qu'enfin, faut que le time soit correct, mais non, ça va. En fait, on a plus ou moins le temps. Et là, on va sauter dessus, voilà. Parce que la peur qu'on peut avoir, c'est que si on arrive, peut-être qu'il serait en haut et qu'on serait cramé. Mais non. Au pire, on aurait attendu un petit peu, c'est tout. On aurait eu le temps d'attendre avant que la plateforme s'effondre. Bah, c'est là qu'on a le temps de réfléchir et de constater que, ouais. Ah, tiens, un petit rubis. On va le prendre. Même si ça sert plus à rien. Un rubis doré, d'ailleurs. Et celle-là, en fait, faut amener la lave parce qu'il n'y a plus de courant, là. Et c'est le même... C'est le même cristal qui inverse, en fait. Voilà, donc là, d'ici... On va juste attendre le bon moment pour... pour balancer. Hop ! Voilà, on attend un petit peu.
Et on y va, voilà. Faut pas le faire trop tôt, mais si on fait trop tard, après il descend le truc et... et on se fait un petit peu avoir. Alors ici, oh, oh. Ah ouais, ok. Voilà. Alors pour l'autre du fond... Une petite flèche peut-être. Voilà. Et là, qu'est-ce qui nous attend derrière? Ben en fait, je vais préparer le grappin tout de suite. Voilà. Parce que là, le détail, c'est que... Bon, on a quand même le temps, mais bon. Faut pas attendre que la plateforme s'effondre. Et c'est là, ici, ben en fait... Ça va être la Triforce, enfin la partie de la Triforce de Dean. La Triforce de la Force, voilà. On va d'abord débloquer le petit raccourci. Enfin, non, c'est pas un raccourci celui-là. C'est la suite du donjon. Mais le raccourci, le deuxième, il est en haut. Et voilà, donc du coup, si on regarde sur la carte... on va regarder sur la carte après. Voilà, là ici, on va regarder sur la carte. C'est que... C'est que, ouais, c'est pas le... Attends. Ah bah si, c'est bon. Je suis au bon endroit. J'ai pas besoin de prendre le raccourci. J'aurais pas besoin de prendre le raccourci. Alors, se préparer. Obtenu la Triforce de la Force, pouvoir suprême créé par les dieux anciens. La Triforce exauce tous les désirs de celui qui la possède. Il ne vous manque plus qu'une partie. Alors, faut savoir une chose. Une fois qu'on aura la troisième partie, tout va s'enchaîner très vite, en fait. Ça va être terrible. Il y aura beaucoup de cinématiques. Il y aura beaucoup de cinématiques. Et après, on s'arrêtera là. On n'ira pas plus loin. Donc, je vais pas forcément faire exprès de faire traîner la vidéo. Parce qu'il y a quand même une grosse cinématique, mais la vidéo sera quand même un poil plus courte, on va dire. Et j'ai pas forcément envie de poursuivre après, parce qu'après ça va être super long. Donc, retour dans la pièce principale, avec toujours ce thème énorme. Et d'ici, en fait, on va pouvoir amener la Triforce là où il faut. Enfin, la troisième. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Nous, on se trouve carrément sur le côté. Du coup, on a tout le champ libre pour déplacer comme on veut. Donc, la dernière Triforce, les autres sont grisées, en fait. Celle qu'on a pris. Il nous reste... Mais j'avais dit une boulette au début, en fait. J'avais dit que la première Triforce qu'on avait récupérée, c'était celle de Nehru. Mais non. C'est celle de Faror qu'on avait récupérée. Celle de Nehru, c'est celle-ci. Voilà. Et en plus, Faye nous l'avait dit. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, en plus, la boulette que, que j'ai dit. J'avais dit... Faye avait dit que c'était celle de Faror qu'on avait récupérée. Et après, je dis carrément que c'est celle de... De Nehru. Enfin, énorme, quoi. Bref. Nous, ce qu'on va faire, c'est carrément l'amener ici, au pied. Et on peut le faire. Tranquille. Et voilà. Mais ce petit passage, il va être... Je vous avoue que... On verra, hein. Il m'a bien fait réfléchir. Hein. Ah, franchement. Un passage assez spécial, on va dire. Enfin, pas si spécial que ça, mais... faut vraiment réfléchir. Hein. Thank you.
Maître, regardez. Le symbole au sol est l'emblème de Nehru. Voilà. Je détecte que la puissance sacrée de la Triforce en émane. Mais le chemin qui conduit est fermé, hélas. Eh oui. Regardez là-bas, c'est un chronoglobe. Je vous recommande de vous servir de ce chronoglobe pour ouvrir la voie vers l'emblème. Eh oui. Au niveau de l'ambiance, bah on reconnaît le cinquième donjon, le Galion des Sables. Voilà. Donc on va se faire les ennemis. Un peu. On va faire le tour. Parce qu'il y a quelques ennemis, on va se les faire en priorité. Question de vraiment avoir le temps de bien réfléchir. Donc on va prendre le chronoglobe. Et de là, effectivement, on va pouvoir se balader au rez-de-chaussée. Enfin, c'est pas vraiment un rez-de-chaussée, hein, mais activer les ennemis et se les faire. Hein. Comme ça, on sera tranquille. Alors, premier ennemi, voilà. Là, comme d'habitude, il va nous balancer ses deux drones, hein, c'est... voilà. Voilà pour le premier, pour le deuxième, et ensuite... Et bim! Voilà, c'est réglé. Voilà pour lui, un petit rubis d'ailleurs. Mais il y a deux autres ennemis qui nous attendent. Celui-là pour commencer. Et le deuxième, un tout petit peu... Oh, bon. Les crânes décoratifs, donc les trésors, forcément, maintenant, on a tout fait. Hein. On a vraiment plus besoin, c'est vraiment... useless total. Allez, direct. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir réfléchir. Parce que c'est vrai que... ce passage, la première fois... waouh, waouh, waouh. Ah non, ouais, ok. On va faire le tour, on va bien regarder ce qui nous attend. En haut, on voit un truc. Ah, je vais poser parce que sinon on voit rien. On voit un truc, on sait pas ce qu'il y a derrière. Mais le problème, c'est que... c'est que, déjà, on a une porte ici. Elle est fermée. On a une grille fermée. Et là-haut, on a une autre grille, mais elle est fermée aussi. Donc, on voit une accroche à grappin, mais pour l'instant, comme la grille est fermée, on peut pas y accéder. Et on peut deviner, plus ou moins, que pour débloquer la salle, pour faire quelque chose dans la salle, il va quand même falloir faire quelque chose là-haut. Mais là, on voit pas trop bien ce qu'il y a là-haut. On va déjà faire en sorte d'enlever les barbelés. On va mettre ça là. Ah oui, c'est vrai. Il y a le sable. Mais là, ça va aller. On va pouvoir directement se mettre en haut, là, pour bien observer. Et d'en haut, effectivement, si on regarde... ah, on voit une cible pour une flèche. Oui, les flèches. Donc là, forcément, ça devrait nous ouvrir la porte. De toute façon, on n'a pas le choix. Ben, vous allez me dire, soit ça ouvre la grille de la porte du bas, soit celle du haut, là, ici. Mais on devine que si on ouvre celle du haut, on accède directement à la Triforce. Donc, avec un peu de logique, c'est plutôt celle du bas que ça va activer. Bref. Voilà, donc du coup, ben, on va se reprendre le chronoglobe, hein, parce que j'ai un peu du mal à parler, c'est fou. Le chronoglobe, il est derrière. Et là, ah, ben, on voit un symbole, pour l'instant ça ne nous parle pas des masses. On dirait une espèce de compas, le truc. Mais on voit un truc, là.
Alors, mystérieux tout ça. Alors ici, quelques ennemis. Ouh, j'ai le temps de l'avoir. Lui aussi. Ah, il y en a encore un autre. Décidément. C'est la fête. Et là ici, un petit interrupteur. Ah, voilà. Bon. On comprend maintenant ce qui se passe. On comprend le truc. C'est que va falloir décocher une flèche sur la cible qu'on a vue, mais sauf que le problème, c'est que on se souvient qu'il y a des plateformes qui se soulèvent, et là on a carrément la plateforme qui nous bouche le passage. Et c'est là que j'ai perdu du temps. C'est là que j'ai perdu du temps la première fois parce que on devine qu'il faut faire en sorte que la plateforme s'enlève. Et pour que la plateforme s'enlève, il faut dégager le machin. Mais il faut pas trop dégager non plus. Faut qu'on puisse passer. Non. Là, ça devrait suffire. Là, ça devrait suffire. Et de là, voilà. Bah, en fait, de deux choses l'une, on n'aurait pas pu décocher de flèche à cause de la plateforme. Et que même s'il n'existait pas de plateforme, le fait que le truc y tourne, ça nous aurait gêné aussi. On n'aurait pas pu. Mais là, c'est bon. Et là, on ouvre la grille du haut. Voilà. Donc là, du coup, on devine qu'on va pouvoir directement accéder à la Triforce de la sagesse, Nehiru. On va se prendre le chronoglobe. Et le petit détail, c'est que oui, on a des barbelés. Et le problème, c'est que bon, on peut sauter. Mais le problème, c'est qu'on va pas pouvoir amener le chronoglobe avec nous. Parce que quand on va utiliser le grappin, on peut pas utiliser le grappin tout en prenant le chronoglobe. Donc la chose à faire, puisqu'on peut pas l'amener avec nous, c'est mettre le chronoglobe en bas. Et ça fait une espèce de sphère, donc ça active. D'ici, ça enlève les barbelés de là-haut. Et du coup, nous, on peut refaire tout le tour. Pour pouvoir accéder jusqu'à la Triforce. De toute façon, on va le voir, hein. Donc là d'ici, je sais pas si je peux utiliser le grappin d'ici. Pas sûr, hein. Non, c'est bien ce que je pensais, c'est trop loin. Faut quand même activer les plateformes. Quand même. Ah oui! Faut activer les plateformes. Donc, faut pas mettre trop près. En fait, faut mettre jusqu'à que s'activent les plateformes. On va dire jusqu'ici, voilà. Et là, c'est bon. Ah oui, c'est le petit détail. C'est pour ça que cette salle est un peu compliquée. C'est que la première fois, vous n'êtes peut-être pas forcément habitué au fait qu'il faut vraiment positionner le chronoglobe comme il faut, quoi. C'est ça qui donne la touche de difficulté à la salle. C'est positionner le chronoglobe comme il faut. Donc là, c'est bon. Donc du coup, forcément, on s'apprête à récupérer la Triforce de la Sagesse. Là, ça a été rapide, hein. Les deux Triforces, on les a eues rapidement. Mais par contre, comme j'ai dit, tout va s'enchaîner à partir de maintenant. Dès que je vais récupérer le morceau de la Triforce de la Sagesse, on aura les trois vont être complétés et place à une longue cinématique. Ah, ça va être long, hein.
Vous avez obtenu la Triforce de la Sagesse, un pouvoir suprême créé par les dieux anciens. La Triforce exauce vraiment. Après, c'est le même dialogue tout le temps. La Triforce est reconstruite. Vous allez pouvoir exaucer le souhait de Zelda et détruire l'avatar du néant. Maître, la fin de notre voyage est proche. Prions pour la destruction de l'avatar du néant. Maître Ling, fais rapport. La partie de Salzbourg appelée Île de Hadès est retournée sur Terre. La puissance de l'avatar du néant s'est éteinte au même moment. La Triforce a entendu notre prière, Maître. Le son n'a plus raison d'être. Il existe donc une forte probabilité que le sommeil de Dame Zelda prenne fin. Maître, je recommande fortement de vous rendre au Temple du Sceau sans tarder.
Bonjour Link. Misérable crétin! Permettez que je vous emprunte votre réincarnation de la déesse. Il me faut l'emmener dans le passé pour amener le seigneur du mal à la vie. Vous avez presque réussi à me contrarier, mais maintenant, tout est terminé. Link. J'ai horreur qu'on essaie de me gâcher mon plaisir. Je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Hors de mon chemin, ta coupe de cheveux improbable froisse mon sens de l'esthétique. Plus rien à faire dans cette époque où le seigneur du mal ne peut être appelé à la vie. L'âme divine de cette jeune fille me servira à réveiller mon maître dans le passé. Ah, du coup, ouais, bah, on va faire une sauvegarde et navré pour le petit 2 qui apparaissait en bas de l'écran. J'ai complètement oublié en fait de faire. Je fais toujours une sauvegarde et ce que j'aurais dû faire, c'est reprendre l'ancienne sauvegarde. Oups, pour reprendre parce que vous avez deviné que j'ai fait un peu la partie de mon côté pour savoir quelle longueur aurait fait la cinématique, s'il fallait que je m'arrête avant de récupérer la Triforce ou si je pouvais la récupérer. Du coup, j'ai. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça a gâché un peu le truc, mais bon. Ouais. Bon, du coup, effectivement, on pourrait s'arrêter là, c'est ce que je vais faire, mais il faut que j'en parle un petit peu de... Donc là, on comprend tout de suite. Il faut que je vous parle un petit peu de ce qui vient de se passer. Là, on comprend tout de suite. Voilà. On comprend tout de suite pourquoi la structure du vallon du sceau. Pourquoi c'était un truc en... En espèce de colimaçon, tout ça, mais oui. Mais oui. C'est depuis le début. Lorsqu'on a vu le temple apparaître, le dernier temple, on a vu la forme du temple que ça avait. Tout de suite. Tout de suite, ça a dû tilter à certaines personnes, voir. Ah, mais
Ça ressemble bizarrement à la structure du vallon du Sceau, mais oui. Mais oui, c'est que la statue de la déesse, à l'origine, était au niveau du vallon du Sceau. Eh oui, et tout de suite ça prend tout son sens, le truc. Mais du coup, la forme du machin là, la forme de cet endroit fait vachement penser à l'entrée du temple du temps dans Twilight Princess. Je pense que je vais peut-être me démerder pour faire un screen, quelque chose. Si j'y arrive pas, tant pis. Mais je pense que je vais vraiment me débrouiller pour faire un screen. Pour vous montrer que ça ressemble vachement à l'entrée du temple du temps dans Twilight Princess. Pas vraiment l'entrée du temple du temps. Mais enfin si, l'entrée du temple du temps dans le présent en fait. Parce que voilà. Peut-être pas trop rentrer dans les détails pour Twilight Princess. Mais ceux qui ont fait le jeu, ils savent un petit peu comment ça se passe le truc. Ça fait vachement penser à ça. Et du coup, avant d'arrêter la vidéo là, on va peut-être retourner dans le ciel, retourner à Célestbourg. Pour voir un peu quelle gueule ça a maintenant le truc. Ah bah oui. Parce que c'est vrai que maintenant que la statue de la déesse est retournée à son emplacement d'origine, et ben on va voir comment c'est à Célestbourg. Eh oui. Retourner dans le ciel. Et du coup, effectivement, on a vaincu l'avatar du néant dans le présent. Eh oui. Mais sauf que Geraïm vient de prendre Zelda et retourner dans le passé. Et du coup, on comprend très bien que il va falloir retourner dans le passé pour devoir affronter l'avatar du néant qui est toujours vivant dans le passé, lui. Donc déjà, ça choque, hein. Ah, franchement, ça choque. C'est vrai que on avait tellement l'habitude de voir la belle statue de la déesse à Célestbourg. Bah, c'est plus le cas. Ah, c'est plus le cas du tout. Ah, déjà, ça fait comme un trou, là, carrément, là, un gros vide. Déjà, mais les PNJ vont pas être indifférents, hein. Alors, pas du tout. Déjà, on serait pas obligé, je sais à quel PNJ je voulais parler précisément, mais on va lui parler à elle par exemple. Oh Link, l'île de la déesse a disparu. Comme c'est triste, laissez strier, adorer s'y percher. Ah bah oui. Ah bah oui. Et sauf que... On va par exemple aller au niveau de l'école de chevalerie. On va se mettre au plus près de l'école de chevalerie. Et... Ouais, ben... Bah... Déjà, il y a Gabuera, hein, on va lui parler. Ah, Link! Alors, finalement, la déesse a... L'île de la déesse a disparu. En fait... N'en dis pas plus, Link. Lorsque le grand fléau, elle éradiqua, la déesse sur la terre enfin retournera. C'est ainsi que se termine la légende qui m'a été transmise. À présent, j'en comprends enfin le sens. Cela signifie donc que tout est enfin terminé, non? Et ma fille Zelda, est-ce qu'elle est saine et sauve? Hélas. Pardon. Je vois, tu n'as rien à te reprocher. Concentre-toi sur ta mission, fais de ton mieux et tout devrait bien se passer. Je suis convaincu que grâce à toi, je pourrai revoir ma Zelda. Je compte sur toi, Link. Pas de problème. Donc du coup, oui, on va s'arrêter là. On va quand même redescendre sur la terre ferme. Au niveau du vallon du Sceau. Parce que oui, maintenant, on sait que faudra se mettre dans le passé pour... Bah déjà, d'une part, pour affronter Geraïm. Ça, c'est... On sait très bien que... C'est la première chose qu'il va falloir faire. Avant d'affronter l'avatar du néant,
On va peut-être devoir s'affronter Giraïm. Parce que c'est lui qui est... C'est pas qu'il est responsable. Enfin, si, il est un peu responsable de tout ça aussi. Hein. C'est lui qui a... C'est lui l'instigateur du truc. Hein. C'est un peu... C'est un peu lui qui a enlevé Zelda. Hein. Donc, voilà, quoi. Sans Giraïm, l'avatar du néant ne pourrait jamais... ne pourrait jamais revenir à la vie. C'est un peu comme... Aghanim dans Link to the Past. Sans Aghanim, Ganondorf ne pourrait jamais... retourner à la vie. Bah oui. C'est un peu pareil. Hein. Vallon du Sceau. Et on s'arrêtera là. Ah oui. Il y a eu beaucoup de cinématiques. Donc, Vallon du Sceau. Et du coup, voilà, on s'arrête là. On va peut-être faire la petite sauvegarde à nouveau. Sauvegarder. Et voilà, donc épisode où il n'y aura pas eu beaucoup d'action. Il a été surtout récupération des deux fragments à Triforce. Et grosse cinématique où je me suis arrangé pour vous la mettre en plein écran. Ah ouais. C'est épique, hein. Eh oui. Allez, salut, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Du coup, pas de... Il n'y aura pas deux vidéos dimanche, hein, parce qu'il n'y a pas eu de quête annexe. La prochaine vidéo, c'est mercredi. Voilà. Allez, salut.